Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Brotato. On est toujours avec Chobiti en coop sur Abyssal Terror. Salut Chobiti. Bonjour le Sing, bonjour tout le monde. Est-ce que tu es prête à reprendre? Oui. Non. Oui, je vois ça, tu fais tomber ta manette. Oui. C'est vrai, il m'a remis la main du coup. Eh ben oui, t'as voulu recommencer. Hein. Ah oui, j'ai voulu recommencer. Alors qu'en fait, finalement, la main, c'est pas ouf. Enfin, ça pourrait, mais il faudrait que je fasse un build autour de la main. En même temps, je ne monte pas ma stat de chance. Tu penses que ça joue sur la chance? Je suis pas sûr, Lonmar. C'est vraiment un pourcentage... Ma chance. Bon, qu'est-ce que je fais? C'est de monter le vol de vie. On pourrait prendre de l'éthéré plutôt, ça peut être sympa. Je vais prendre de l'éthéré plutôt. Ça monte pas la vitesse d'attaque, l'éthéré? Ah non, c'est les dégâts celui-là. Non, puis ça monte l'esquive. Ouais, pour moi, SHRTZ, c'est plutôt ça la chance, ouais. Parce que le... Là, c'est vraiment 28% de chance d'être maudit, mais c'est fixe, y a pas... c'est pas indiqué que c'est un pourcentage de la chance. Non, mais Sign n'a pas de chance. J'adore la chance. Mais j'aime beaucoup le concept de la malédiction, donc je joue la malédiction après. Ce sera la prochaine partie, le cac. Mazamara, promis. C'est pas si mal, ça. Non, je fais rien en élémentaire avec celui-là. Non, celui-là, c'est pas ouf. J'avais une main. T'es assez corps à corps, la main? Allez, quand tu tapes un petit, c'est direct l'explosion. Oui, bah oui, c'est pour ça. Pourquoi t'es frustré? Il y a des fois, je parcours la map et je tape un ennemi. Et après, tu meurs, quoi. D'armure, le papillon, le petit sifflet, le livre, il me donne un de malédiction, allez on va prendre. Oui tu peux prendre l'extraterrestre d'eau bien sûr. J'ai pas la thune. Le problème de la malédiction, c'est que j'ai vraiment trop tendance à essayer d'attendre que ça soit maudit, du coup j'attends. Sauf qu'il faut vraiment scaler les dégâts à chaque vague, sinon il y a forcément un moment où ça devient trop mou. Allez, très bien, yes. Vitesse, je peux. Hein. Vitesse, je peux. C'est pas un truc qui fait que tes modifications de dégâts sont diminuées, non? D'ailleurs Ah non, c'est pas lui. Non, j'ai plus. Oh non, mais c'est... autant pour moi. Avec tous les persos qu'on fait, des fois, je me gourre. Rien qui s'est maudit. Puis on attend, hein. On a pris un petit, une montée de niveau qui fait des dégâts, donc ça. Ils sont trop gros, je les tape pas assez vite. C'est pas bon ça. Ouais, même là, je le tape pas assez vite.
Il y a un truc en haut. Ouais, je crois que t'en as tué un maudit. Oh merde! Il y avait un dans le tas là. J'arrivais pas à tuer justement. Après, je crois pas qu'il donne de la malédiction à chaque fois, mais. Oui, c'est pas mal ça. Pingouin! Et oui. Pas peine, je prends extraterrestre d'où ? Ouais, faut trouver. Oh, on est que vague 6, ça se tombe peut-être. Les fantômes ? Ouais. Bah, si t'as de quoi te soigner, ouais. Avec le pingouin, t'oublieras pas de ramasser les fruits même quand t'es full life. Hein. Je vous parle mieux! Tout ce qu'on veut. Ah, mais ça arrête de descendre et de vouloir remonter, c'est pas possible! Vitesse d'attaque! Recycle, écoute. De toute façon, la portée, tu t'en fous. Ah, la chauve-souris maudite. Ouais, bah du coup, quitte à avoir de la malédiction. Bah, okay. tu peux commencer à la maxer. Hein. Ah, s'il accepterait. On veut. Oh, ça, c'est marrant. Salut, Pascal, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Non, je vais plutôt faire vol de vie. De l'éthérer. I want éthérer. Celui-là, il augmente pas la vitesse d'attaque. Le silex. Ah, si. Il semblait bien qu'il y en avait un qui montait la vitesse d'attaque. Ouais, bah non, mais ça pour avoir de l'éthérer. Je le virerai quand on... Là, décidément, je... J'ai aucune arme qui fonctionne. En fait, la coop a été ajoutée vendredi, Pascal. C'est un free LC, tu peux jouer en coop avec une mise à jour gratuite. Il y a aussi un DLC qui est sorti, que tu peux acheter si t'as envie, coûte 4 balles. Oh, je suis morte. Quoi ? Ouais, non, ça... Je suis pas bien, là, niveau arme et tout. Bah, mais pourquoi t'as enlevé ton point ? Ça t'a apporté quoi ? Bah... Donc il fait mal le point en plus. Mais il fait que de me proposer des trucs main nue du coup. Bah parce que ça joue mais... Faut que je prenne des matériaux pour réinitialiser le tir de mon tromblon là. Voilà, survécu, tout va bien. Je fais tellement peu de niveau, il me faut des montées de niveau efficaces. Non. Yep, c'est tout récent, ouais, Pascal. C'est pour ça qu'on y joue, hein. On s'est relancé dessus direct, on a beaucoup aimé le jeu, on avait pas mal torché, et du coup, en jouant chacun notre tour, du coup. Et là, bah, on se fait un peu plus place, quoi. Ah, c'est mieux. Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce que t'as changé ? T'as les mêmes armes ? J'ai une hache, alors je l'ai combinée. Ah, oui. Et en plus, honnêtement, la coop est très réussie, je trouve. Et du coup, il y a plein de nouveaux persos. Oui, il y a plein de nouveaux persos. Alors, gratuitement, dans le free LC, il y a 4 nouveaux persos. Avec le DLC, il y en a 8 de plus. Il y a des nouveaux succès, il y a des nouveaux concepts aussi, des nouveaux objets.
une nouvelle map si tu prends le DLC, qui est la map sur laquelle on joue là, avec les monstres qui ressemblent un peu plus à des poissons. Oh bah oui. Régène de PV, dégâts, je suis où en dégâts? Je suis à 22, régène de PV, je suis à 5. Oui, il y a plusieurs cartes Zikino. Enfin, il y en a deux même, exactement. La mêlée, c'est nul. Ça en prend. Ah, naval et arme à feu. Ça matcherait avec mon tromblon, du coup. Qu'est-ce qu'il fait de beau, lui? Il a une portée variable. Ralentit les ennemis dans un rayon autour du projectile. Ah, et en fait, il peut tirer que au-delà de 300. D'accord, on va essayer, tiens. Allez, c'est là où il y a les neufs. Les chevelus! Plein de frais à ramasser, là. Ouais, bah, j'ai eu un deuxième jardin, alors. Oui, mais c'est pourquoi tu les ramasses que je te le dis. Oui, bah oui, mais c'est ce que je dis, j'ai eu un deuxième jardin, donc... Mais... Le gros, là! On arrive à la vague 20 pour voir le boss. On vient arriver à un moment. Oui, après la map, c'est la thématique des monstres. On est d'accord que le fond, ça reste un truc carré où on marche avec pas d'obstacles. Donc... Je suis morte. Alors le chevelu là, il est maudit, il a sorti un œuf. Bah, je voulais le tuer, mais j'ai pas réussi. Ok, ça. Ouais, parce que quand ils arrivent à faire éclore leurs œufs, c'est l'enfer. Hein. Ah, ça c'est mal ça. La vitesse d'attaque, elle est vendue. Un petit coup. Bah, je vais le prendre, mais juste pour... 24 matériaux quand on récupère une caisse, bah oui. Il est pas ouf. Hein. Ah, la souris, c'est du vol de Vincrance. Tu te poses la question comment ils ont géré le vieux et l'explorateur. Et ben, on regardera si tu veux. Oui, ceux qui jouent sur la taille de la map, ouais. Ouais, non, je sais pas, c'est pour dire. Oh, le chat qui miaule à la mort, quoi. Je le prendrais peut-être. J'ai pris un sifflet, on devrait avoir un peu plus de montant. Tu vas vite, eh. De la vitesse. Elle est vendue. Parti plutôt sur quoi? On en a eu des boss hier, Mazamara. Ouais, mais de la régène. Alors, la nourriture bizarre maudite, c'est pas mal. Oh, hérisson. Oui. Oh, ça c'est bien. Ouais, allez. Vu que je booste, je prends pas de régène de PV. Je vais le bloquer parce que du coup. On va prendre ça. Ça c'est nul. Oh là là. Cette fois, tu ne ferais pas n'importe quoi avec ton miroir. Hein. Bah, je me tâte du coup à prendre la sauce épicée, même si c'est pas forcément le mieux du mieux.
C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ma vie, c'est possible. Est-ce qu'il va les requins comme ça? Putain, le cadeau qui me pop dessus, quoi. Et c'est quand même un peu. Ah, je suis morte. 5. Charge là. Ok. Les gars ont mêlé. Bah non, du coup, c'est nul. Non, mais de la récolte, je peux pas prendre de la récolte. Prendre un peu de PV. La souris maudite, c'est parti. Ah, le revolver. C'est pas mal le revolver quand même. On va prendre un peu des armes. C'est bien. Ça, c'est pas mal aussi. Ah non, la régénération de PV, non, j'ai dit que j'en prenais pas. Ça, c'est bien. Hop. Petite grenouille. Trop d'esquives, ça m'embête un peu. Vous entendez Chobiti quand elle réflexionne dans sa tête? Non, quand je réflexionne dans ma tête, je pense que personne m'entend à part ma tête. Et toi? Tu peux garder ton silex qui te donne la vitesse d'attaque. Oui, mais dès que j'aurai un petit peu plus d'armes, encore mieux. Ça va venir. Bon, après, ça diminue les dégâts de ton explosion, mais ça. Pas non plus. Dramatique, quoi. Surtout que tu l'augmentes à côté de notre manière, non? Oui, il est bon. Il résiste. Il résiste. Il y a un malédictionné en bas. Bah, t'as dû le tuer. Bah, j'ai pas fait exprès. Il m'a tué. J'ai tué. J'ai mouru! On entend murmurer, mais tu comprends pas. Ouais, ça m'étonne pas trop. Alors, la viande séchée maudite. Parfait. Bobine. J'en ai pas encore pris dans le machin. Oui, j'en ai eu deux, des trucs. Mammouth! Le bébé calamar, non. Le mammouth, 20 dégâts en mêlée, 5 régénérations de PV. Ah bah ouais, c'est pas mal. Un petit sifflet? Ouais, j'en ai pris un déjà. Peu de camp? Non. Ma vitesse. Ah, j'ai pas de thune. Pas de thune! Oui, c'est vendu. Je peux pas prendre le fruit, non pas moi. On dirait que Chobiti invoque Tulu avec ses marmonnements. C'est pas impossible, hein. Ça reste une démon. Hein. Y'a un gros mouche, il veut pas mourir. Oh, le papa cadeau, il est rouge. Ouch.
peur parce qu'ils te rattrapent, ils se mettent en tas autour de toi et d'un coup, bam, grosse explosion, il n'y a plus personne. Et ouais, bah j'ai mouru aussi. Ouais, bah ça incluait toi non plus personne. oh le pingouin, ouais, ça allait peut-être même pas le coup de le prendre, mais bon, c'est pas grave. Oh bah oui. Oh bah oui. 16 de dégâts. Rien qu'à proquer. Ah, dommage. Ça va compenser un peu le mammouth, hein. Non. Prendre le pingouin. Le siffler. Quel mammouth! Je ne vois pas trop sur ma tronche. C'est-à-dire que tu commences à avoir un petit peu de trucs sur ta tronche. Merde! 25! Plutôt 25. Ouais, je ne suis pas vu. Je pensais que tiendrait mieux. 15! Et là. 10! Beaucoup d'épée. C'est bête. 5! GG! Tendux. Oh bah oui, ça c'est parfait. On peut pas de ta vitesse d'attaque. Ah oui. Peut-être du vol de vie du coup. Oh t'as un bon sustain pourtant. Pas honnête quoi. Bah ouais. Par rapport à moi. Ou alors on rajoute des dégâts. J'ai qu'une seule arme maudite, ça me plaît pas. Avec une seule arme violette avec 15, c'est... heureusement que je fais des dégâts à côté parce que c'est un peu mou. Hein. Bah moi aussi c'est un peu mou. Hein. Ouais, les Kraken maudits là, pas plaise. The Death a Day! Je suis morte. Je me voyais plus. Comment je suis chauffé pour moi au bout de 4 secondes à avoir 4 niveaux de plus que le signe? Écoute, c'est un talent. Canon légendaire, non, canon mitrailleur 4. Bah ouais. Et quoi? Recharge 0, ils ont 0,63 secondes, 36 dégâts x 3. Et tous les 100 coups, il faut le recharger un coup. Bah ouais. Ouais, ouais, on prend, ouais. Allez. J'essaye de tirer. On fait un tirage de maudit là-dessus et on le prend. J'ai plus de thunes. T'as jamais de thunes. Non, mais là, je suis à 0. Non, rien, t'es à 24. Ouais. Allez, ouais. L'envoie sur la tronche quoi. Oui. Oh quoi
On s'est fait défoncer tous les deux en même temps, quoi. Aïe, aïe, aïe. Terrible. Du coup, le vieux... Où il est, déjà? Mage, le vieux. Chocho, il est censé prendre quoi? Je crois que tu peux prendre un vieux aussi. Ça va être folklorique, je sens. On va jouer un génie, tiens, avec lui. Je vais faire du... De la distance pour changer. Tu dis que la stalactique, c'est distance aussi. Ouais, c'est de la distance. De toute façon, c'est pour tester, on va voir à quoi ressemble la map, mais... Non, t'auras pas oui. Ton boss. C'est tout petit. Alors, si on est 4 à avoir le vieux, je pense que ça doit être rigolo. Pas sûr que la distance soit oufissime, là. La vitesse non plus, du coup. Ah, la vitesse, non. Oh, bah, je vais quand même y aller en mode fun. Bah oui, là, on y va. Précis alimentaire, on va prendre l'arbalète. On va couvrir la map de tourelle là. Bon, déjà, je pense qu'à 1, tu peux ne pas bouger. Hein. Tu peux prendre tous les objets qui te donnent des bonus en étant immobile. Hein. Ah, c'est le principe du vieux. J'aime bouger. Oups. On va tellement se confondre. Comme ça, j'aurai un plus gros nez. Oh, une baguette plus plus. Oui, c'est vrai que du coup, c'est un peu nul ça par rapport à. Ah, c'est toi qui as pris. Hein. Oh, je. Put. Je sais même pas. Je pense que Chocho peut quand même mourir. Hein. Mais. De la régénération de PV, ouais. Oh, mais t'as raison d'être méchant avec la pauvre Chouchou, elle le mérite, hein. Tout à l'heure, je me suis dit non, mais... T'as vu, regarde-le des cheveux. Moi, j'ai un casque. Tu peux plus me confondre. Bah, c'est toi qui te confonds. Oui, c'est moi qui me confonds, c'est ouf. Hein. Et pourtant, hein, on n'a pas du tout les mêmes armes et tout, mais le temps que mon cerveau il me retrouve, quand on est trop près l'un de l'autre pendant 5 minutes, 5 minutes est équivalent à 5 secondes de temps réel de Chocho. Pas de la régène. Pas portée, je suis pas sûr que ça serait grand chose. Ça c'est bien. Ça c'est le match sur la mêlée, ouais, les dégâts quand même. D'accord. On est d'accord. Voici beaucoup moins de monstres, c'est beaucoup moins d'or aussi.
Bah, mis à part les trucs qui chargent. Oui, toi avec ta distance qui bouge pas et moi qui me balade, je pense qu'on est pas mal. Ah, c'est pour toi. En vrai, l'arbalète c'est nul. Mais... Tout à l'heure, j'aurais dû prendre d'autres armes. T'as raison. Intense. Ouais. Et heureusement que c'est partagé du coup, parce que là du coup je bouge pas, je récolte rien. Imagine, ça voudrait dire que je récolte 0 XP et... Ouais. Mais 0 thunes. Tu fais de la brûlure toi avec tes baguettes? Ouais. Ouais, un petit peu. Oui, donc oui, si c'est pas mal. Quand on commencera à pas les one shot. Bah oui, on pourra, bien sûr. Pourquoi je l'ai pas pris? Ah mais ouais. C'est parfait hein. C'est exactement le concept, Pascal, tout à fait. Mais du coup j'ai perdu mes cheveux, j'ai gagné un casque. J'ai un casque mais j'ai pas le même. Fais un bon soutien, je peux courir en rond, les ennemis ils meurent à un moment où j'arrive au contact. Je suis une tourelle. Ouais. Touche la tourelle. Ma petite tourelle bonus à moi. Ça a pas marché pour toi, t'as perdu tes cheveux mais t'as jamais eu de casque. Ah mais c'est parce que t'étais pas une chouchou ça. C'est marrant. Non c'est bon, j'arrive à me retrouver là, c'est bon. Moi je l'ai pris le drapeau blanc. Ma chance. Ma chance. Ça y est, c'est la panique, elle s'est pris un point de dégâts, attention. Il m'a chargé. Augmente ta poussée. Et tes dégâts. Non, moi je veux la lanterne. La lanterne, ça les empêchera pas de charger. Bah ça les repoussera. Si elle proc exactement au bon moment, oui, peut-être. Mais... Voilà. Ouh, mais c'était pas sur ma tronche. Ouais, la vitesse d'attaque, c'est très bien. Allez, les chances de critique. Ah ouais, le clou ça fait quoi? De l'ingénierie. Les dégâts des armes sont également affectés par l'ingénierie. Ah ouais, pas mal. Sagesse unique. Je peux vraiment prendre vitesse. Encore une miroir. Par contre, le miroir. Pas le verrouiller. Jamais eu le miroir, moi. Alors là, c'est là où il y a les neufs.
défoncer. C'était mou, hein? T'es mou, ouais. Bien qu'il t'arme, hein. Faut qu'on m'en mou. Les remparts de mon cœur. Ah, ils sont costauds les chevelus là. Non, on peut pas revendre les objets, madame Mara. Une fois qu'on les a pris, on les a pris. Ouais, il y a que les armes qu'on peut recycler. Des dégâts. Touche un ennemi, réduit sa vitesse. Bah ouais. Carrément. Je suis parti sur plutôt la révèle, je crois. Oh, dommage pour l'ingénierie. Esquive, c'est pas ouf. Vitesse, c'est pas ouf, mais ça doit être à cause de notre perso, ça. Ah non, l'esquive, non. On va quand même prendre de l'armure. Et de la course. Ah, ça veut dire que je peux dupliquer mon rituel, par exemple? Imagine, ouais. Il est pas unique, donc... Moi, je dupliquerai peut-être le corail, du coup. Non, je veux bien une petite arme par contre. Oh, t'as ton petit bébé. Ton petit bébé extraterrestre. Oui. Je prends. J'avoue que ceux avec des épées, ils vont être plus compliqués à gérer. C'est gratos, on prend les dégâts. Kiff kiff, ma régène et mon vol de vie. On les dégâts, quoi. Voilà. Double corail. 40% de vitesse d'attaque tant que vous êtes immobile. Bah, c'est peut-être moi qui vais arrêter de bouger, du coup. Avec mon double corail et ma statue. Prends. Une arme. Attention, là on est sur un build hautement technique. T'as que 27 PV. D'ailleurs, ils sont violets mes PV. Ah oui, c'est parce que j'ai pas encore pris de coups. T'avais le tardigrade qui me sauvait. Pas cette portée pour aller taper sur l'arme là-bas. Il y a trop d'ennemis en fait entre eux et nous. Il est un petit peu mou là. On a même pas gagné de niveau. Même le signe a arrêté de bouger. C'est à cause de l'arthrose. Chouchou n'est pas si vieux. En même temps, j'ai pris un truc qui me donne 20 de régénération de PV quand je bouge pas, donc je vais aussi prendre la vitesse d'attaque du coup. Le petit livre, la dynamite.
Est-ce que j'esquive? Pas tant. Hein. Ça, c'est pas mal. C'est toujours bien. Est-ce que je suis si vieux que ça? Mais antidéluvien, antidéluvien. Pauvre coquille, les pauvres poids lourdes là qui bougent même pas. Elles aimeraient bien s'éloigner mais elles peuvent pas. Il est trop bien quand même. Ouais, puis j'ai l'impression qu'il loot pas à partir d'un certain moment quand on ramasse plus, il loot pas. Ah! J'avais l'impression qu'il y avait plus rien qui apparaissait quand on les tuait. Petite usine de poche là et puis on serait pas mal. Hein. La médaille on prend. Ah, un petit tournevis. Plus de mine. Ça fait des projectiles réellement les. Les baguettes? Ouais. Bah oui, c'est à distance donc c'est des projectiles je pense. Pourquoi? Bah non, je. Ah bon, c'est pas mal le bandana, ouais. Quel âge a notre couple de streamers? L'autopsie du cygne. Compte. Ça fait 72 ouais ça fait 72 ouais ça dépend si on compte notre âge ou notre âge ouais mais 72 ça me paraît une bonne estimation ouais. Ouais c'est à peu près ça. C'est vrai que j'avais 6 ans, moi. Ah ouais, on est encore toute notre vie de streamer devant nous, Mazamar. J'ai rajouté un petit peu de portée d'attraction. Je trouve ça. Voilà. Oh, t'es cadeau. Par contre, quand va y avoir le boss... Faut me squash tout seul, non. C'est ça. À deux, on fait un squash, là, là. Exactement. Ah, bah, parfait, la boule de neige. Bah ouais. Encore genre mieux. De la portée, de la vitesse, non mais... Ça m'apparaît jamais. Alors, on va prendre la clé, on va prendre le petit poisson, de la portée... Alors, on va tout prendre, du coup. Ça en prend... de la portée, c'est pas ouf, mais la vitesse d'attaque et la chance de critique, c'est pas dégueu. C'est pas mal, ça. 20% de chance de critique. Allez hop. Repos du prince. On peut prendre le couteau de foudre. Un peu, ouais. On n'est pas encore des vieux débris comme Biga. Bah écoute, Pascal, on a les mêmes pulls. Donc on est sur la bonne voie. Les morceaux. Voyez les tourelles là. Ils peuvent se permettre deux charges, les petits sagouins. Qu'est-ce que t'as fait dehors, bébé? Ils viennent même pas sur les mines quoi. Français.
Ça perturbe un peu les narvals quand même, ils arrivent pas trop à charger vers nous du coup. Mais oui, bien sûr, 100% d'XP pour la prochaine vague. Deux fois on prend. Quoi les skiffs, tiens. Prendre un peu de vol de vie. Dégâts à distance, vol de vie, dégâts à distance. Il voit. Dégâts de distance. Je sais pas combien de dégâts ils sont. C'est pas ouf, hein. Non. C'est pas ouf. Mais en même temps, vol de vie 8. C'est pas ouf non plus. Mais c'est trop bien les pulls de chambre, Pascal. C'est chaud, c'est confortable. Le monde se portera mieux avec plus de pulls de chambre. Je vais prendre un petit coup parce que quand même. Oh bah, ça oui. Ça, c'est un truc pour Chobiti, ça a de la chance. Ça, c'est un truc pour Chocho aussi. Bon, allez, autant je fais roue tout. Mais ouais, moi aussi, je fais roue tout ces derniers temps. Ah, les narvals vont peut-être être problématiques, ouais. Non, pas les narvals, les kraken. Ouais. Les kraken. Après, l'objectif, c'est de mettre plus de mines possible sur toute la map. Mais en vrai, moi, je trouve que la laine, c'est une très belle matière. Hein. Ça fait des jolies choses. Après, j'aime aussi beaucoup le sweet comme matière. C'est très différent. Mais... C'est tout le souvenir. Quand est-ce que j'ai vu ça? J'ai vu un... J'étais où? T'étais où? Tu étais où? Je ne sais pas. Oh bah oui, 5 de régène de PV, on prend. On prend ça, et on a plus de sous. Pas randomisé, on a déjà deux trucs à acheter. Économiser un peu. Non mais j'arrive pas à me souvenir où j'étais. Ça gratte, c'est quoi qui... Ça dépend si tu te brosses les dents, ça gratte, ça dépend si tu te brosses les dents. La laine ne gratte pas si tu te brosses les dents, Mazamara, c'est ça que tu veux dire. Je ne suis pas sûr de saisir ton propos. Non, mais je sais plus où j'étais. Et le problème, c'est que du coup, vu que je sais plus où j'étais, je sais plus pourquoi c'était choquant. Mais j'étais dans un truc un peu chicos. Et j'ai vu un kéké en mode sweat sur vêtements. Mais genre... Je sais plus pourquoi, enfin bref. Les aventures de Chocho. Pas dans les trucs chicos, toi. Mais non, je sais plus où j'étais, mais ça m'a choqué, le mec en sweat sur vêtements. Bah, il fait bien ce qu'il veut. Hein. J'ai envie de te dire. Ouais, mais passer un certain âge, ça fait quand même ridicule. Pour redire autant des pulls de chambre. Hein. Mais ma vie? Qui me pique ma vie? Pour elle là, faut la tuer. Ok, ça va. Là, si on se tape un triple tireur là, ça va piquer les fesses. Hein. Ma vie, ma vie. Et ma vie. Ça passe. Mais c'est très nul. T'amuses à essayer de faire des blagues pourries à Gaelden. Ah. Bah écoute. On peut prendre un tournevis plus plus. Non, on va prendre un tournevis plus plus. J'ai envie de te lire. J'ai toujours pas assez de thunes pour l'acheter. Ah, la laine, c'est une bonne matière. Tu voulais jouer sur la laine. Ok, très bien. J'ai. Ça doit être full clou vos parties. Gaelden. Que le PC ventile hein, quand on est sur cette map
Toute petite. Ah, les mines qu'il y a sur la map là. Bah oui, mais du coup, ils sont en plein milieu, ils les atteignent même pas. Ouais, mais après, c'est pas grave, on se met derrière si on a un problème et puis. On est bien. La gelée, bon, c'est gratos, on va prendre. C'est le gras, c'est la torture. Le gras, le gras. 15 PV max, vous récupérez 5 PV par seconde, vous ne pouvez plus vous guérir autrement. Ouais, je vais le prendre, moi. Ça m'a désactivé tous les autres soins. C'est vrai que c'est... Est-ce que ça va matcher avec mes corails? Je ne sais pas. Tes corails. Mes coraux. De toute façon, t'as des coraux, des tentacules. Ouais, mais... Qui peut la barre? Du coup, j'ai pris la torture, donc ça se trouve, ça matche plus. Mais il faut plus... Meurs, gros! Ah ouais, non, effectivement, j'ai perdu tout mon sustain. Ah ouais, non, c'est nul, du coup. J'aurais pas dû prendre ça. Ça, c'est peut-être le truc qui fait perdre une partie, ça. Et bon, on prend. Bah, du coup, le critique, ça me va. Les jeux de mots pourris, c'est la vie. Et c'est vrai. Je fais pas d'explosion. Attends, je fais peut-être des explosions. Allez, on est bientôt à la vague du boss. Non, j'ai pas le truc avec les dés, je fais pas d'explosion. Bah, si jamais tu veux faire des jeux avec nous, n'hésite pas, le signe. Bah, Mazamara, ce sera avec plaisir, mais je... Galden le sait, elle m'a déjà proposé, mais j'ai déjà trop de créneaux de jeux. Et si j'ai l'occasion, un jour, avec plaisir. Ouais, et puis Galden, il était pas dispo aujourd'hui pour jouer avec nous. En disant qu'il y avait 9 heures de route à faire. Hier, il préférait faire de la confiture de châtaigne. Il en a même pas eu le droit à un petit pot en plus. J'aurais bien aimé un petit pot. Enfin, la confiture de châtaigne, c'est pas ma préférée. Mais globalement, la bouffe. Oui, t'as un bon public, quoi. Pas assez de tourelles, je trouve, sur le champ de bataille. Là. Ah bah voilà, la petite tourelle, parfait. Ma confiture préférée. Ça, non. Hein? Ma confiture préférée. La confiture de lait. Ça non, bah la tourelle médicale, du coup, elle sert plus trop, mais je vais quand même la prendre pour toi. Hein. Une clé plate de plus pour la vague 20. Ah, on est vague 20. Ouais, on est vague 20. Oh oui, bah du coup j'ai pas assez pour randomiser. Non, ça sert à rien de randomiser. Oui. Mais est-ce que ça vaut le coup que je fusionne mes baguettes par exemple? Toi qui vois. I am not sure. Moi je vais fusionner mes clés plates parce que ça me sert plus à rien d'avoir des trucs qui flambent alors que la balle perçante va peut-être aider sur cette map. Là. Non, bah, ma confiture préférée, c'est juste du sucre. C'est le meilleur du monde. Je suis morte.
Ouais, non, mais je pense que là, pour le coup, autant on rigole bien sur cette map, mais alors, par contre, avec le boss, c'est pas possible. Je crois que j'ai voulu le contourner et... Ouais, non, non. Non, mais en vrai, j'aime toutes les confitures. Tu sais que j'arrive à chaque fois que j'achète de la confiture, eh ben, je vais faire les courses. Je me dis, oh, je prendrais bien de la confiture de machin truc. J'en achète un pot. Sauf qu'on n'a pas encore fini la confiture d'avant et on évite d'ouvrir trop de pots. Ben, la fois d'après où je vais faire les courses, eh ben, j'achète exactement la même confiture. À chaque fois. Parce que j'ai envie de cette confiture-là au moment où je fais les courses. Parce qu'on n'a pas encore fini de manger de l'autre. C'est un sketch à chaque fois. Allez, quand je suis pas là pour modérer un petit peu les courses, c'est compliqué. Bah, on va arrêter l'épisode de VOD là, du coup. Il est assez long. Si vous voulez dire au revoir à la VOD, c'est le moment, n'hésitez pas. Bon, un petit coup d'eau, puisqu'on trinque. Non, c'est jamais perdu, Pascal, de toute façon. Ça sera mangé, c'est ce que je lui dis. J'espère que ça vous a plu, cette petite partie dans un timbre-pause. Je m'attendais assez à la fin, hein, ça paraissait évident. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Bye, bye.